Bonjour, dans cette vidéo, on va parler d'une stratégie de contenu qui pourrait bien révolutionner ta présence en ligne. Saturation des mails et des réseaux sociaux. La surabondance de mails et d'activités sur les réseaux sociaux crée une saturation numérique, submergeant les utilisateurs d'informations et de notifications constantes. Expérience personnelle. Faisant face à une avalanche de courriels et privilégiant une présence minimale sur les réseaux sociaux, l'expérience personnelle souligne la nécessité de trouver un équilibre face à cette surcharge numérique. Question cruciale, se poser la question essentielle, est-ce réellement bénéfique de publier du contenu chaque jour? Interroger la pertinence de maintenir une fréquence quotidienne de publication dans un monde numérique en constante évolution. Analyse des habitudes de consommation. La plupart des individus consacrent seulement une demi-heure à trier leurs courriels et à parcourir les réseaux sociaux, soulignant une attention limitée accordée à ces plateformes dans le contexte quotidien. Les mails promotionnels, les courriels promotionnels, souvent relégués à la corbeille, ne retiennent l'attention que s'ils correspondent parfaitement aux besoins immédiats de l'utilisateur, illustrant la sélectivité croissante face à la surabondance d'offres et de sollicitations. Le défi des réseaux sociaux, bien que des centaines de publications inondent les flux, peu parviennent réellement à captiver l'attention, soulignant la difficulté croissante de se démarquer dans le bruit numérique. Le temps passé sur les réseaux sociaux, avec une limite souvent fixée à 30 minutes, beaucoup sont confrontés à la nécessité de maximiser l'efficacité de leur présence en ligne, soulignant une gestion minutieuse du temps dans un monde saturé d'informations. Mettre en avant l'idée de choisir un créneau. L'idée de choisir un créneau spécifique pour éviter la surexposition à l'information émerge comme une stratégie essentielle, soulignant l'importance de la qualité sur la quantité dans la consommation de contenu en ligne. Introduire l'idée maîtresse. Au cœur de toute stratégie de publication de contenu efficace, réside l'idée maîtresse selon laquelle il est crucial de diffuser son contenu lorsque le monde est prêt à écouter. Plutôt que de simplement suivre un calendrier fixe, cette approche suggère une adaptation dynamique au moment où l'audience est la plus réceptive. Utiliser les statistiques pour déterminer les moments propices. Pour mettre en pratique cette idée, l'utilisation de données statistiques devient essentielle. Analyser les tendances d'activité en ligne, les pics d'engagement et les moments privilégiés de la journée peut fournir des indications précieuses sur les périodes optimales pour publier du contenu. Les statistiques deviennent ainsi des alliés stratégiques pour ajuster le calendrier de publication. La nécessité de revoir sa stratégie pour maximiser l'impact. Cependant, adopter cette approche demande une remise en question constante de sa stratégie existante. Il est impératif de se montrer flexible, prêt à ajuster le timing en fonction des insights tirés des données. Cette flexibilité permet de maximiser l'impact en s'alignant avec les habitudes changeantes de l'audience, créant ainsi une stratégie de publication dynamique et réactive aux besoins du public. En somme, la clé réside dans la capacité à évoluer et à optimiser continuellement sa présence en ligne pour rester en phase avec un environnement numérique en constante évolution. Présenter la stratégie alternative. Un changement de perspective s'impose, mettant en avant la stratégie alternative qui préconise de publier intelligemment plutôt que quotidiennement. Cette approche se concentre sur la qualité plutôt que sur la quantité, soulignant l'importance de créer du contenu significatif et engageant plutôt que de simplement remplir un calendrier éditorial. Comparaison, 3 publications par semaine équivalent à 10 semaines de contenu. En adoptant cette approche alternative, il est intéressant de noter qu'en publiant 3 fois par semaine, on peut générer un contenu équivalent à celui produit sur une période de 10 semaines avec une fréquence quotidienne. Cela met en évidence la densité et l'impact potentiel d'une stratégie plus réfléchie. L'importance de travailler intelligemment plutôt que dur. Cette comparaison met en lumière l'importance de travailler intelligemment plutôt que de simplement suivre un rythme effréné. La qualité et la pertinence du contenu prennent ainsi le pas sur la cadence pure, soulignant que maximiser l'impact nécessite une approche stratégique et réfléchie. En fin de compte, cette stratégie alternative propose une façon plus durable et efficace de gérer sa présence en ligne, offrant une meilleure valeur à l'audience
tout en réduisant la charge de travail associée à une publication quotidienne. Encourager à anticiper les creux de travail. L'encouragement à anticiper les creux de travail émerge comme une stratégie essentielle, soulignant l'importance de planifier et de créer du contenu à l'avance pour optimiser l'efficacité du temps. Mentionnez l'outil recommandé. Pour faciliter cette organisation, l'utilisation d'un outil dédié est recommandée, mettant en avant la valeur ajoutée d'une plateforme de planification pour simplifier le processus de création et de publication de contenu. En résumé, la saturation numérique, les habitudes de consommation restreintes et le défi des réseaux sociaux nécessitent une approche stratégique de la publication de contenu en ligne. Cette réalité pousse à une invitation à repenser sa stratégie de contenu, soulignant la nécessité d'adopter des approches plus ciblées et réfléchies dans un environnement numérique saturé. En guise de conclusion, un appel à l'action claire émerge. Si tu veux moins de stress et plus d'impact, c'est peut-être le moment de changer ta manière de publier en ligne. À toi de jouer.